Allez, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Je suis super content de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Et cette fois-ci, on va partir sur de la régularité puisque ce sera des vidéos tous les jours. Avec donc la sortie ce vendredi de Live a Live, évidemment, vous vous doutez bien qu'on allait commencer un nouveau let's play. Vous le savez, je vous avais déjà tenu au courant avant la sortie de Xenoblade Chronicles 3. On va se régaler sur ce petit RPG finalement jamais sorti en dehors du Japon. Et maintenant, on nous le propose traduit en français, avec bien évidemment des voix en japonais. Donc vous le savez, dans la démo, on a testé Cube, donc le futur lointain. On a testé Oboromaru, donc la fin du Japon d'Edo. Et on a testé la Chine impériale avec le Shaifu, cœur de montagne, bien évidemment. Et aujourd'hui, j'ai envie de tester quelque chose de nouveau, à savoir le futur proche. Alors je vous mettrai un petit, même plusieurs, je pense, sondage pour savoir si vous préférez qu'on fasse une histoire en particulier, parce que je pense pas faire par exemple un coup futur proche, un coup futur lointain. Je pense que je vais faire toutes les histoires d'une traite en fait, mais avant je veux tester toutes les histoires, juste faire une vidéo sur chaque histoire pour choisir un petit peu finalement celle que je préfère. J'avoue que je suis très intrigué également par la préhistoire, le présent je pense être moins fan, mais bon après à voir. Et le Far West, pareil, j'aimerais bien tester. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous tourner une vidéo de chacune des histoires au niveau du début du jeu. Et ensuite, avec un sondage, je vais vous laisser choisir par laquelle vous préférez que je commence. Moi, dans tous les cas, mes vidéos seront tournées, donc en soi, ça ne me change rien. Mais bon, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, on attaque tout de suite avec le futur proche. Donc un jour prochain, mais qui reste à venir, un jeune rebelle mène une vie difficile. Il s'attire des ennuis et se bat régulièrement quand il est capable de lire les pensées d'autrui. Une routine pénible, mais à laquelle il est habitué. Toutefois, à cause de son pouvoir, il se retrouve impliqué dans une sombre conspiration qui ne peut être stoppée que par la résurrection d'un ancien roi robot, le Titan d'Acier. Eh bien écoutez, on se lance, c'est parti, le futur proche. Trop stylé. Ah, je suis super content, j'étais super excité là de pouvoir avoir récupéré le jeu, on n'est que mercredi, ça fait 2 petits jours d'avance et c'est plutôt plaisant. Et encore une fois, je remercie évidemment les personnes qui me permettent d'avoir ce jeu plus tôt. Ah mince, attendez, petite pause. Faute de syntaxe ici. Oh, il disparaît. Oh, joli. Moi, ça m'impressionne parce que je joue sur un écran de 3 mètres de diagonale. Et même sur 3 mètres, on est sur un jeu pixel art. Et il rend super bien. Alors je pense que c'est lui quand il était enfant, ça. Bizarre, hein, il est dans le noir complet. Oh là. Mais c'est pas bruit de surprise, c'est... Oh non. Eh oui, forcément. C'est dur ça. Ça c'est très dur. Mais non, il s'appelle Akira. Alors là, c'est bon, c'est mon préféré. C'est tellement un nom que j'utilise souvent que... Ah là là, j'adore. Là, j'adore. Tellement génial qu'en plus, qu'ils conservent les noms japonais comme ça. Mais alors, il y a un truc qui me paraît bizarre, c'est qu'il y a... Ils sont deux. Il n'y a qu'une table de libre. Ok. Je me demande si on va les contrôler quand ils étaient en... Non. Là, ses yeux, là, je les vois. Ah, d'accord. En fait, il nous montre comment il s'est rendu compte de son don. Ah ouais, carrément. C'est comme s'il me suffisait d'appuyer sur un bouton. Il te précise le Y quand même, pour entendre leurs pensées et aussi distinctement que s'ils parlaient à voix haute. Ah d'accord. Ok, ça le dit. C'est une bonne question ça. Hein. Qu'est-ce que vous feriez si vous pouviez entendre dans les pensées des gens? Est-ce que ça nous permettrait de changer en quelque sorte notre vie? Est-ce que ça pourrait vraiment changer quelque chose? C'est vrai qu'il y a toujours des moments dans la vie où on se demande qu'est-ce que la personne pense. Et là, on pourrait le savoir réellement. Mais est-ce que justement... ça ne nous porterait pas préjudice de le savoir. Parce que ça veut dire que, imaginons que tu es en couple avec une personne, je vais sortir cet exemple parce que c'est le plus concret. Il y a tous, à tout moment dans une vie, où on peut se dire, oh, la personne avec qui je suis, bah, à ce moment-là, elle me saoule, ou des trucs un peu comme ça, vous voyez. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la personne, qu'on n'est pas bien avec cette personne, c'est que on arrive tous à être saoulés, ou à avoir pour une raison ou une autre, pas être content ou quoi. Et donc là, entendre les pensées à ce moment-là, ce serait pas ouf. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ah là, je pense qu'on va peut-être attaquer vraiment le contrôle et voir un petit peu l'histoire. Ouais, voilà. Premier chapitre, l'étranger. C'est super beau. Il se réveille. Donc on attaque, c'est parti. Attendez, alors, pourquoi tu me regardes comme ça, on se connaît? J'espère que le vendeur du stand de Taiyaki revient bientôt. Stylé. On va voir un petit peu ce qu'on a à faire là maintenant. Oula, ça c'est un méchant. C'est un de ceux qui a tué son père, je pense. Ah, il n'y en a pas qu'un. Il n'y en a pas que deux. Il n'y en a pas que trois. On doit les affronter, j'imagine. Acquérir le pouvoir de lire dans les pensées des gens. Appuyez sur Y à proximité d'une personne pour découvrir les secrets qu'elle n'oserait jamais dire à voix haute. Peut-être obtiendrez-vous de précieuses informations. チンピラ集団になりなんだてめえ通りすがりのたい焼き屋さんよDonc c'est bien ça, on va les affronter. Pourquoi y'en a un qui est à moto? Alors qu'est-ce qu'il a comme attaque? Coup de pied bas, donc dégâts faibles. Ça c'est décontenancé vos ennemis en les faisant penser à leur mère. Ils perdront l'envie de se battre. Soin de soi et coup de coude. Ah, on le frappe sous la ceinture. C'est génial. Ah, one shoot. Uppercut éclair. Point de rage. Coup de pied agressif. Et cogne boyau. Joli. Ah ouais, il est fort. Hein. Allez, ça c'est fait. Ouais, il est pas très fort lui. On va le tuer, comme ça c'est fait. Et il restera plus que le sous-fifre en bas. Ah ben non, je les ai eu dans le même temps, mais parfait. Il s'appelle Gensumida, d'accord. Il a gagné l'XP, donc ça peut sous-entendre qu'on va l'avoir comme compagnon de route. Thank you. Ils se connaissent donc. Ah d'accord, donc on va quand même y monter. Ah non. 間違いなく奴らが関わっている。Pourquoi il lui a pas répondu? J'allais dire pourquoi il part là-bas alors que c'est un cul-de-sac, mais ça va, il y a juste demi-tour. Petite cinématique des familles, franchement ça fait plaisir, hein. Il y a une petite mise en scène qui franchement est pas mal du tout. C'est comme un peu une opening pour ce début d'histoire, franchement j'adore. Je sais pas ce qui nous attend pour la suite, mais je sens que cette histoire va vraiment être sympathique. On passera le bonjour à toute la troupe. Ok, on y a. On y a. Ok, ça va pas du tout là. On y est, pardon. Alors par contre, moi, il y a un truc que j'adore, c'est le côté... Encore une fois, je le dis, et je l'ai dit pendant que je faisais la démo, mais c'est que on voit que chaque histoire a probablement été faite par des personnes différentes, parce qu'elles ont vraiment chacune leur design, leur visuel, leur ambiance sonore, c'est ouf. Alors... Ah bah ils sont là. Mais c'est des gamins ça par contre. Pourquoi lui avoir demandé de chercher? Mince. Ça, Hasimarimashita. Senkoku Pro Res Misawa ka Muto ka. どちらにせよ我々はルールは前代未聞前人未到のラウンドムさあ今ゴングが鳴った負けるなミサワ回転何すんだユキ私何もしてないもん 喧嘩はダメだ。はい、薬持ってきたよ。それよりプロレスど。わあ、そこは私のリングさ。わあ、ミサワ。Elle a un problème cette gamine. Ok. C'est bizarre, elle est vraiment petite par rapport à lui. Ok. Première mission, sauver une tortue. Allez, on y va. Il est super stylé le design de ce héros, je trouve. Alors, on continue par là. C'est trop stylé de voir la ville comme ça et il y a des ennemis. Visiblement, ils viennent vers moi. Hein. Donc, on peut les combattre. Et je sais pas si on peut considérer ça comme étant une map monde ou c'est juste une zone où on peut avoir des combats. Dans le chapitre du futur proche, la commande fuir est remplacée par se téléporter. Cette commande sert également à s'échapper, mais vous ne la maîtrisez pas encore tout à fait. Rien ne garantit que vous atterrirez en lieu sûr. Stylé. Et de 1. Bon, ça, ils ne font pas trop de dégâts. Ah, mais je peux pas bouger. Et du coup, je peux pas attaquer. Et ouais, si je peux pas bouger, donc on va faire soin, on va se soigner. Hein. Ah d'accord, c'était un peu inutile comme action, mais je peux toujours pas bouger. Ah nickel. Ça y est, je peux bouger. Peut-être que je me soigne, non? On va se soigner quand même au cas où. Là, j'irai de pas mourir quand même dès le début du jeu. Nickel. Et il reste plus que lui. On va voir les dégâts qu'on lui fait. Ah ben one shoot, parfait. C'est une victoire. Oh, ça donne pas mal d'XP cette histoire là. Bon, on va aller à l'objectif. Alors apparemment, il y a pas mal d'endroits où on peut rentrer, sortir et tout. Mais là, j'ai l'impression qu'on doit aller ici. Brocante des merveilles intemporelles. Oh, il va vraiment attendre devant la porte comme ça? C'est dégueulasse. Ah d'accord. Oh là là, j'espère que dans le futur la téléportation ça existera, hein. Ce serait tellement fabuleux. Fallait pas que je fasse ça. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer? On est sur un Chrono Trigger là, tu sais. Ah non, c'est rien passé. Elle a juste été détruite. Bon, pour la téléportation, on repassera. Visiblement, on est encore quelques années trop tôt. Ben merci de votre aide, ça a été très utile. Donc on retourne à l'orphelinat, il va nous y rejoindre pour sauver la tortue, je l'espère, pauvre petite tortue. Combat. Mais ça m'étonne quand même qu'ils puissent se balader aussi librement les ennemis. Vulnérable. Oh là, ils sont forts. Ouais, quand même. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah ouais, il arrive à me toucher de loin quand même. Aïe. Je vais me soigner, hein. C'est mieux. On va pas risquer de mourir là maintenant. Si je meurs dès le début du jeu, franchement, ça craint. Je sais que je l'ai déjà dit, mais bon. On va s'occuper de lui en premier parce qu'il fait plus de dégâts, je pense, que le chef de gang, on va dire. Ce qui est assez un peu pas logique, mais bon. Lui, je peux le one-shoot, donc. Niveau supérieur. C'est bizarre cette sonnerie quand on monte de niveau, mais pourquoi pas. Donc on a appris la compétence derrière toi. Donc on est niveau 5 du coup. Hop là, on est arrivé. On va aller voir notre petite sœur. J'imagine que le papy va pas tarder à nous rejoindre. Hello everybody. Il a transformé une tortue en robot, pourquoi pas. Tu déconnes! Tu déconnes! C'est lui qui est dans la tortue! Il y a les deux esprits, la tortue plus lui. Ah non, non, ça va, il est encore vivant. Ok, bon, je sais pas trop ce qu'il faut faire, mais en attendant, c'est réussi. Elle est toute seule à s'occuper de tous ses enfants. chercher quoi? Ok, ça c'est la salle de bain. Ça c'est les toilettes. Là elle fait le linge. Salle de classe. C'est qui ça? Ok. Là c'est là où l'instit elle dort. Bah il est peut-être sorti du coup. Non, même pas. Mais alors... Il est où le gamin? Sorti, c'est obligé. Là, il n'y a personne. Et là, ah, attendez, il y a un truc là. Ok. On va aller voir les gamins du coup. Ils veulent tous du gâteau. Ok, et la dernière personne. Ah, ok. Oh, sérieux? Bon, il m'a dit dans les toilettes. Bon ben je sais pas. Parce que là je lui ai parlé mais il me dit je t'attends dans les toilettes et il vient pas. Oh. Oh. Je sais pas. On va fouiller les autres pièces. Non, non, il n'y a rien. Il peut y avoir quelque chose à récupérer quelque part. Là, il n'y a rien. On ne peut pas sortir. Ah, d'accord. Taille. Ah d'accord, donc on doit y retourner. Ok, et maintenant? Encore? Mais il est sérieux? Ça a duré longtemps cette histoire. Oula. Ça y est, c'est terminé. Alors du coup, on peut sortir? Bah oui, cette fois-ci on peut sortir. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais sauvegarder. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur un autre chapitre. N'hésitez pas à me dire dans les sondages quel chapitre vous préférez qu'on fasse jusqu'à la fin en premier. Et moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Bye bye.